tous et à toutes, bienvenue sur W9 pour un épisode inédit de Cauchemar en cuisine. Nous avons la chance de nous retrouver ici à l'Hôtel du Louvre. Une chance aussi pour moi de faire quelques repérages pour la décoration de mon jardin. Je pense que ça sera parfaitement adapté pour chez moi. Ce soir, Gordon Ramsay va donner de la voix du côté de la Floride, plus exactement au Anna Vincenzo's. En fait, c'est un restaurant qui connaît de graves difficultés financières. Sa propriétaire, Sissi, est à l'opposé, mais alors à l'opposé du personnage de Romy Schneider, peu gracieuse, mal polie et même violente. Elle ne va pas hésiter à insulter directement Gordon Ramsay. Je trouve que c'est limite du suicide. Alors, comment va réagir notre chef anglais face à cette Sissi qui a plutôt grandi, elle, dans la famille Bidochon? Le restaurant sera-t-il remis à flot? C'est ce qu'on va voir maintenant dans Cauchemar en cuisine. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend en Floride pour raisonner une chef plus douée en combat rapproché. Qu'on prétende que je cuisine de la merde et je m'énerve. Qu'en cuisine. Franchement, j'ai failli le frapper. Dès l'instant où Gordon franchit le seuil du Anna Vincenzo's, les gens te traitent de pauvre type. Ils ont pas tort. Sissi se braque systématiquement contre lui. Je sais pas ce qui est pire, ta bouffe ou ton comportement. Cette tête brûlée semble incapable d'accepter la moindre critique. Ce roast beef connaît rien aux pizzas. Mais Gordon n'est pas le seul à souffrir de ses colères. Alors il vient, service. Sissi dirige son restaurant d'une main de fer et personne n'ose lui tenir tête. Fais marcher ta foutue cervelle. Ni le personnel. Sissi est toujours très menaçante. Ni son mari. Dégage. Mais sa vie va radicalement changer. Car Gordon sait convaincre les plus réticents. Je suis pas venu subir un interrogatoire, vu? Elle a beau lui avoir demandé de l'aide. Il est censé m'aider, pas me dire que rien ne va. Son refus de changer. T'es à côté de tes pompes. Ou d'écouter. Je t'écoute pas. Va faire sortir Gordon de ses gonds. Aucun de vous m'a encore vu péter les plombs. Et le pousser à prendre la porte. Pathétique. Carreton, en Floride, est une riche bourgade aux maisons cossues dotées d'un luxueux golf et de kilomètres de plages animées. Son cadre idyllique a incité Sissi et sa famille à quitter New York il y a 10 ans pour s'y établir. Salut mon grand. Son père, ancien propriétaire de pizzeria, a aidé Sissi à ouvrir le Anna Vincenzo's en 2001. Mon père m'a donné plus de $300,000 pour lancer le Anna Vincenzo's. Il travaillait déjà dans la restauration avant que je naisse. Et je peux dire que j'ai grandi dans une cuisine. Au revoir, ma petite citrouille adorée. Je t'aime. Aujourd'hui, Sissi a fondé sa propre famille. Et elle doit relever le défi permanent d'être à la fois propriétaire et chef. Bienvenue au Anna Vincenzo's. De vos panés. J'ai appris sur le tas. Un veau marsala aux 4 fromages. Pour moi, il n'y a pas de règle en cuisine. Je prépare comme je le sens. Un poulet marsala et un vivano padrino. Je suis passionnée par mon métier. Dis à Michael qu'il vienne prendre ses calamars. Quand j'ai ouvert, c'était de la folie. L'adrénaline pulsait, j'adorais ça. Et l'argent affluait dans les caisses. Encore un peu de lasagne? Non, merci. Non? Mais il y a 2 ans, les choses ont commencé à changer. Tout ce qu'on pouvait imaginer qui foirait a foiré. Je sais pas vraiment pourquoi. On dirait de la merde. Dès que l'activité ralentit, je n'ai plus la motivation de venir travailler. Je ne sais pas le faire cuire plus longtemps. Honnêtement, j'avoue que Sissi nous pose beaucoup de problèmes. Tant pis, on s'occupe d'une autre table. Elle se fiche de tout. C'est encore là pour la 42? Elle sert de la merde. C'est pas cuit. Et quand elle perd les pédales, elle devient furieuse. Fais marcher ta foutue cervelle. Ou dis-leur à tous d'aller voir ailleurs. Elle sent qu'on coule, du coup elle panique. On n'a plus de clients. Je sais pas ce qui leur est arrivé. Où sont-ils passés? Aujourd'hui, j'en suis à $190,000 de dette envers mon père. La nuit, je me morfonds en me demandant comment je vais le rembourser.
plus personne ne vient, merde. J'ai que 5 tables ce soir. C'est triste de voir ma fille perdre de l'argent tous les jours. Parce qu'elle travaille dur. Je t'aime. C'est très stressant et très dur pour Sissi. Maintenant que nous avons un petit garçon, notre affaire doit tourner, ne serait-ce que pour notre survie. Je suis une ratée. J'ai peur qu'on perde notre maison et qu'on n'ait même plus de quoi nourrir notre bébé. Et alors ? J'ai l'impression de porter sur les épaules un fardeau d'une tonne, et c'est exténuant. Gordon Ramsay est mon dernier espoir. Anna Vincenzo. Wow. Hello. Bonjour. Hello. Ça va? Bien. Anna Vincenzo? Non, c'est le resto. Moi, c'est Sissi. Enchanté. Tu veux manger? Yeah. Volontiers, okay. Merci. Il devrait aimer tout ce que je fais. Il n'y a rien que je n'aime pas. C'est ton restaurant? Exact. Tu es propriétaire et vu l'état de ton tablier, tu es aussi chef. Ouais. Où tu as appris le métier? Mon père avait un resto avant que je naisse. D'accord. J'ai pratiquement grandi dans une cuisine. Il y a un cuistot aux cheveux blancs qui arrête pas de me mater. Il est bien dans sa tête? C'est mon père. Il bosse pour toi? Oui, et mon mari sert. Ton mari aussi? Ouais, il m'aide. On en a besoin. Il est où? Tu veux le voir? Absolument. Michael! Oui? Gordon Ramsay veut faire ta connaissance. J'y crois pas. Enchanté. Merci. Classe. C'est ta tenue de travail? J'aime être présentable. Tu vas draguer après le service? Ah, qui sait? Je m'habille un peu plus smart pour être élégant face aux clients. Je retourne en cuisine. Ashton? Bonjour. Ça va? Bien, enchanté. On parle après? Ouais. Bien. Ashton, je prendrai un peu de tout. De tout ou bien tout un plat? Une petite portion de chaque plat, histoire de découvrir votre palette de saveurs et votre authentique cuisine italienne. Une part de chaque plat. Merci. De rien. La carte du Anna Vincenzo's est colossale. Il doit être dingue, ça va nous prendre toute la journée. Il veut tout goûter. Pardon? Une portion de chaque plat. Il veut pas plutôt un plat complet sur notre carte? Tu veux que je lui redemande? Oui. Oui. À moins qu'il ait pas bouffé de la semaine. Et mince. Ça s'annonce plus dur que je ne pensais. Sissi dit que pour manger tout ça, il faut être à jeun depuis une semaine. Vous avez lu la carte? Non, je peux jeter un œil. Oui. Dans quel guépier je me suis fourrée. C'est vaste. Un, deux, trois. Oh, bon Dieu, il y a combien de plats là-dessus? Beaucoup. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. C'est une blague, cette carte. Je me demande... Il y a des centaines de plats là-dedans. Si tu meurs de faim, je te les fais avec plaisir. Je regarde et je commande. Oh, Seigneur. Bien. C'est bon, je suis prêt. Je vous écoute. Je vais commencer par un saumon divino. Et ensuite, je prendrai le vivano d'Anna. Un vivano? Ouais, le favorito de la nonna. Merci. Je vous en prie. Et c'est parti. Le saumon divino est prêt? Votre salade de saumon divino. On dirait un labo scientifique qui a implosé. Merci. Pas de quoi. Bien. Le saumon est sec. Et trop cuit. C'est quoi ce truc? Vous les collez bout à bout le matin en vous levant? On vient de les couper. C'est du saumon frais? Aucune idée. Tu peux demander? On dirait du congelé. J'y vais. Merci. Le saumon est frais ou congelé? Dis-lui que c'est du frais congelé. On l'achète frais et on le congèle. J'ai l'impression de bouffer du carton. C'est le pire plat que j'ai vu dans toute la Floride. Il a dit que le saumon divino... Quoi? C'est du carton. Il est censé m'aider, pas me dire que rien n'est bon. Passe-moi le vivano.
S'il se plaint, je lui botte le cul. Oh, bon sang. Le Vivano d'Anna. Vivano d'Anna. Oui. Il est où, le poisson? En dessous. En dessous? On dirait un repas pour chien. Je me demande ce que ça va donner. Oh, bordel de merde, ça sent la bouillie. Michael est dans le coin? Je vous l'envoie. Tu veux bien goûter pour moi ce Vivano d'Anna? C'est trop liquide. Il fallait le faire cuire un peu plus. C'est franchement dégueulasse, oui. Oui, chef. Merci. Veille à le lui faire goûter, surtout, c'est très important. D'accord. Merci. Il a dit quoi? Que tu goûtes. Que je goûte quoi? C'est détrempé. Bah, il y a touché, je goûte pas à ça. Si le Vivano est mou du genou, je vais tout de même pas lui demander d'être dur comme pierre. Ça passera pas. Dis-lui que Sissi n'a plus rien envie de lui préparer maintenant et qu'il m'a foutu en rogne. Non mais... Elle gueule toujours comme ça? Il y a des gens qui crèvent la dalle dans le monde. Alors si c'est pour que ma cuisine parte à la poubelle, je préfère m'abstenir. Tout de suite? Et comment? Qu'il aille se faire foutre! Ce type est une perte de temps. Sissi a dit que des gens meurent de faim dans le monde. Je t'arrête tout de suite. D'accord. Si elle a quelque chose à me dire, qu'elle vienne me parler. Bien. C'est pas à toi de faire le sale boulot à sa place. Qu'elle vienne me dire tout ce qu'elle veut quand elle aura fini. En attendant, je reste là pour goûter ses plats. J'y vais. Merci de ton aide. De rien. J'ose pas répercuter à Sissi ce qu'il a dit. Elle est capable de me tuer pour le message de Gordon, avant de s'en prendre à lui. Quoi? Il demande que tu viennes le lui dire tout à l'heure. Mais pour l'instant, il veut essayer de tout manger. Il est encore plus trop du cul que je ne pensais. On l'emmerde. Tu m'étonnes. Je suis surpris que personne lui ait encore flanqué une dérouillée. Votre pizza. Quelle variété? La favorito de la nonna. Parfait. Je me fous du nombre d'étoiles qu'il a. Qu'il se les mette où je pense. Seigneur Dieu. Je suis en boule. Ce type me plaît pas. Liquide au centre et croquant autour. C'est épouvantable, quelle honte. C'est ordinaire, ennuyeux et fade. Merci. Je lui gueule dessus? Oui. Emmène ton couteau. Je la jette direct. J'ai essayé de jeter la pizza avant que Sissi me voie. Je savais qu'elle allait hurler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a dit que c'est fade. Je rêve. Elle manque de saveur. Je suis furieuse. Ce roast beef ne connaît rien aux pizzas. Après un repas épouvantable... Épouvantable. Gordon Ramsay se heurte à l'entêtement de la propriétaire. Commençons par le début. Lâche-toi. Ton saumon... Quoi? Imbouffable, ok? Ta déco au concombre, bien naze. Tout le monde adore cette salade. À d'autres, ton resto est vide. Ensuite, ton Vivano est bigrement décevant. Il macérait dans un mélange de merde et de mozzarella et n'avait aucun goût de poisson. N'importe quoi. Est-ce que t'as au moins goûté avec la mozzarella au-dessus? Ça te pose problème? J'ai demandé à Michael. Je ne mange pas dans ton assiette. T'es une dure à cuire, hein? T'as tout pigé. Quand on me cherche sur mes plats, on me trouve. Il est où, Michael? Qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir où il est? Il a rien à voir avec ça. Il y a goûté. Et il a dit quoi? C'est de la bouillie. Tu te fous de ma gueule? Où est-il? Je supporte pas les critiques. Peut-être qu'il parle avec son cul, comme on dit en Angleterre. T'as dit que mon poisson, c'était de la bouillie? Non, il est tendre, comme les gens l'aiment. Bien sûr qu'il est tendre. Michael, t'es honnêtement en train de me dire qu'il était cuit comme il faut? C'est liquide, fallait le faire cuire un peu plus. C'était un peu mou, quoi. Un peu mou? Ouais. C'est ta parole contre la mienne, mon gars. Ce poisson était trop cuit, fade et en bouillie. Ce Vivano était parfait. Sissi est bornée et inconsciente. Je me suis dit, mais pourquoi elle n'écoute pas? T'es sur la défensive, hein? Oh mon Dieu. Non? Tu te défendrais pas si on critiquait ta bouffe? Moi, je cuisine pas de la merde. Quand un client s'est-il plaint la dernière fois? Hier soir. Il a dit quoi? C'était fade. À tort ou à raison? C'était vrai. Mais toi, tu dépasses les bornes. La différence entre toi et moi, j'écoute les critiques, toi non.
Je suis venu parce que tu m'as demandé mon aide. Mais ta réaction à mes suggestions est complètement immature. Tu voudrais que je sois ta marionnette? Pourquoi tu bugles? Tu me fais chier. Commence par me parler correctement. Vous réagissez comme ça quand je suis pas là? Vous vous soumettez? Je vais te botter le cul, mon gars. Elle recommence, hein? Madame, vous avez un problème comportemental. Et je me demande ce qui est pire, votre bouffe ou votre attitude. Je lui en colle une. Plein de gens te prennent pour un pauvre type, et je les crois. Autre chose? Et merde. Y a rien à faire. C'est pathétique. Je suis censée lui courir après et le supplier de revenir? Va te faire. Il a du pot que je l'ai pas frappé. Malgré l'accueil désastreux qu'elle lui a réservé, Gordon choisit d'offrir une seconde chance à Sissi. Et il retourne au restaurant pour l'observer avec son personnel au cours du dîner suivant. Alors, là c'est quoi? Les tartufos, les gnocchis. Qui les fait? Avant on les faisait, maintenant on les achète. Ils sont archi congelés. Et ça? Boulettes de viande, un peu trop cuites. Oh Seigneur, et tu les sers? Je vais pas les balancer. Ça sent la pâtée pour chat. Ah ouais? Pour toi, ça sent la vraie boulette de viande, ça. J'ai pas de chat. Je sais pas ce que sent leur bouffe. J'y crois pas. Tu vas me les briser encore longtemps? Écoute, je suis pas là pour subir ton interrogatoire, c'est clair? S'il y a bien une perdante dans cette histoire, c'est forcément toi, vu? Alors, me prends pas pour un con. Je veux prouver à ce merde de roast beef que je peux y arriver. Bien. Bienvenue au Anna Vincenzo's. Suivez-moi, je vous prie. Je vous place ici. À quel honneur? Un poulet au parmesan. Bien. Un veau pané, parfait. Prêt? Au revoir. Un rigatoni vodka au poulet. Un rigatoni Angelino. Une fettuccine Alfredo. Un pané de veau et des côtelettes table 11. Quelqu'un prend les plats? Allô? Alors, il vient ce service? Sissi est toujours très menaçante. Elle s'en prend toujours au serveur, sans comprendre qu'elle a un truc qui cloche. Envoie ta merde! Aïe. Sissi envoie rapidement les premières commandes, mais les clients... Le poulet grillé. ...font vite la grimace. Le veau n'a aucun goût. Désolé, je les renvoie en cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'aiment pas ce gros morceau. Tu m'étonnes, c'est ce qui se passe quand on utilise de la nourriture congelée et qu'on la trempe dans la farine patamisée avant de faire frire. Dis-le à Sissi. J'ai peur qu'elle le prenne mal. Dis-le lui. Sissi, les clients se plaignent qu'ils ont un gros morceau coriace. Tes calamars, ils sont agglutinés. J'ai vu. Mais tu les sers et tu les fais payer. Tant que j'y suis, je renvoie tout le personnel qui fait des conneries et je me démerde toute seule. Toujours sur la défensive, hein. Dans ce cas, continue à servir de la merde. Sissi, une seconde, s'il te plaît. Les clients disent que ça n'a pas de goût et ils voudraient que tu l'assaisonnes à l'ail. Sûrement pas, je rajoute rien dedans. C'est comme s'ils me crachaient à la figure en disant que je fais de la merde. Sissi, faudrait me réduire ça un peu plus et... Michael, je suis limite à foutre tout le monde dehors, là. Il y a bien une raison pour que ça revienne, non? J'écoute plus personne. Tu agis comme une petite princesse capricieuse. Mais je suis une vraie princesse. Je savais pas que c'était ton château. Je croyais que Lady Di n'avait rien à faire dans une cuisine. Elle vient bien du même coin que toi, non? Waouh. Exaspéré par le nombre de plats qui reviennent... J'y arrive plus. Sissi est sur le point de jeter l'éponge. Marre. C'est-à-dire? Ça n'arrête pas de revenir. Je reste là à cuisiner pour rien? C'est le désastre, j'en peux plus. Je ferme boutique. Ça n'arrête pas de revenir. Je reste là à cuisiner pour rien? 90 minutes après le début d'un service catastrophique, non seulement Sissi est frustrée... Marre. Mais envahie par la honte, elle craque.
Tu vas pouvoir finir? Je peux plus respirer. Tu veux de l'oxygène? Hein? J'ai craqué en plein service. J'avais envie de rentrer chez moi. Cici s'est calmée et elle revient en cuisine. Dites aux clients qu'on ne sert plus rien. Mais elle n'a plus le courage de cuisiner. Fermez carrément le resto. À quoi ça rime d'avoir un chef qui veut pas cuisiner? Je vais lui parler. C'est vraiment trop important. Tandis que Michael et le staff essaient d'envoyer les derniers plats, en salle, de nombreux clients sont excédés. Je sais pas quoi faire. Et partent sans avoir été servis. Je viens 2 minutes. Merci. Ça va? Reprends-toi. Je ne peux pas commencer à t'aider tant que tu ne résous pas ton problème, à savoir tes plats. Je cuisine bien. Arrête! Je ne suis pas venu m'amuser. Moi non plus. C'est toute ma vie qui est en jeu. Et en plus, je ne joue pas. Faut pas croire ça. J'y mets du mien. Si j'aimais pas ce que je fais, je serais déjà plus là. Alors arrête de dire que je m'en fous. S'il te plaît. J'ai jamais dit ça. Si. J'essaie seulement de te dire que tu as un gros problème à régler. Celui de tes plats. Personne n'aime s'entendre dire que tout ce qu'il fait, c'est de la merde. J'aime pas l'échec. Je préférerais encore mourir. Tu sais, c'est pas un signe de faiblesse d'admettre ses échecs. J'ai fermé 3 restaurants, mais j'en ai un paquet qui font un carton avec 1650 employés. Je sais quitter. Oui, un pauvre type, selon toi. Tu l'es parfois. Arrête de te comporter comme une ado qui aurait les nerfs à fleur de peau. Je suis pas venu pour te servir de punching ball. Je suis venu t'aider, alors laisse-moi entrer chez toi pour de bon. Je cuisine de la merde, ça te va? Il y a un problème avec la préparation de tes plats, avec leurs commandes, avec le respect des ingrédients. Je suis désolé, Cici, mais tu es loin du compte. Demain, on recommence tout à zéro, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Tu rentres te reposer chez toi? Et demain, on pose la première pierre. Je suis désolée de t'avoir insulté. Allez, debout. On y retourne. On les laisse débarrasser et tu t'en vas. D'accord? Pour aller où? Chez toi. Il dit qu'il veut m'aider. Et je le crois. Ce restaurant, c'est tout ce que j'ai. Et je ne veux pas l'abandonner. Gordon est convaincu que Cici est enfin prête à l'écouter. Tôt le lendemain, il se rend sur place pour mettre en œuvre la première partie de son plan. Tous ensemble, vous allez me préparer tous les plats de la carte. Soit 180 plats. 181. On tente le coup. Les cuisiniers n'ont que 3 heures pour préparer les 181 plats avant que Cici et le reste du personnel n'arrivent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on repart complètement de zéro, avec une nouvelle attitude. J'ai une petite surprise pour vous. Venez voir. Oh mon Dieu. La nourriture avait tout envahi. Voici chacun de vos plats. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu l'as dit. J'ai été choquée par la quantité de nourriture qu'il y avait. Je savais que notre carte était vaste, mais voir tous ces plats étalés devant nous, je me suis demandé, c'est possible? Vous l'aurez compris, cette carte est trop imposante. Cet excès a un impact conséquent sur beaucoup de choses. Ça ralentit le rythme du travail en cuisine, vous dépensez trop en ingrédients et surtout ça part dans tous les sens. Le fond du problème, c'est que vous produisez en quantité au détriment de la qualité. Maintenant que vous avez vu physiquement ces plats, j'ai trouvé un autre moyen de vous faire réaliser à quel point votre carte est colossale. Oh mon Dieu. Debbie et Ashton, j'ai besoin de vous. Venez 2 secondes.
Je vais énoncer chaque plat. Debbie, tu marques ce qui est congelé et Ashton, tout ce qui est frais. Allez, calamar frit en cornet légèrement fariné et frit. C'est frais ou congelé? Congelé. On continue. Les palourdes, fraîches ou congelées? Congelé. Plus fort. Congelé. Le saumon grillé? Congelé. Congelé, 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 congelé. Allez, congelé, congelé. Encore congelé. Keep up. Courage, les filles. Tu suis? J'essaie. Je pensais même pas mettre un seul autocollant frais. Je me suis dit que j'allais rester toute la journée debout à rien faire. Salade César? Fraîche. Ah, quand même. Saumon grillé, sauce mangue et agrumes. Frais. Et allez. C'est très dur de réaliser la quantité de produits congelés qu'on utilise. Vous servez 80% de congelé pour 20% de frais. On va commencer par réduire votre carte. Cici, tu vas m'accompagner en cuisine et je vais travailler sur un concept de repas familial original pour le Anna Vincenzo's. Soupe, salade, pizza et lasagne maison que je vais concocter personnellement avec toi. Ça va? Ça marche. Pour le dîner suivant, Gordon Ramsay est non seulement déterminé à introduire un plat du jour frais et délicieux, mais à faire du Anna Vincenzo's un restaurant familial au rapport qualité-prix défiant toute concurrence. On va faire des lasagnes toutes simples à la viande. Un peu de bœuf, qu'on a fait revenir, puis une touche de sauce. Tu comptes un tiers de sauce et un tiers de viande. Ensuite, un peu de ricotta par-dessus. J'aime beaucoup le concept du restaurant familial. C'est une idée de génie pour aider les chefs à travailler plus vite. Maintenant, les plats vont sortir en rythme de la cuisine. Les lasagnes sont au four. Là, on avance sur la soupe. Goûte pour voir comme elle est savoureuse. Hier, à la même heure, je détestais Gordon et je l'aurais bien tué. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il veut vraiment m'aider. Gordon Ramsay pense que Cici est enfin prête à l'écouter. Avec son équipe, il a travaillé d'arrache-pied pour réserver une énorme surprise à la patronne et à son personnel. Bonjour. 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 Bienvenue à tous au nouveau Anna Vincenzo's. Enlevez vos bandeaux, s'il vous plaît. Bienvenue au nouveau Anna Vincenzo's. Oh mon Dieu, c'est clair et beau. Regardez tout l'espace qu'on vous a créé. Envolez les couleurs maussades, bonjour la légèreté. C'est contemporain et intemporel. Les fenêtres font entrer beaucoup plus de lumière. Je peux même pas décrire la différence. Cette rénovation va tout bouleverser. C'est classique, contemporain. Où que vous soyez assis, vous pouvez englober toute la salle. Une boutique spécialisée nous a offert pour 10 000 dollars en assiettes, couverts, tables et chaises. Dieu te bénisse. Et Cici, ce sera toi, ma belle, la star de ton nouveau restaurant. Regarde un peu ça. Embrasser la cuisinière, c'est pas cool? Fais-en ton personnage haut en couleur. J'ai trouvé ça génial de voir Cici heureuse. Elle était sidérée. Elle s'est blottie dans ses bras, alors que peu de temps avant, elle voulait les triper. T'es heureuse? Oui. Angelo? Quand je vois ma fille heureuse, je suis heureux. Bien. Et t'en penses quoi? Magnifique. Ouais? Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à toi. Je n'oublierai jamais ce que Gordon Ramsay a fait pour ma fille. Quelle différence! J'ai vraiment l'impression d'être ailleurs. Je suis très heureuse. Je suis juste un peu anxieuse pour la nouvelle carte. Et je me demande ce qu'il nous réserve encore. J'ai réduit votre carte de moitié. C'est mieux. Pourquoi? Pour que vous puissiez réduire les coûts en augmentant le niveau de fraîcheur. D'accord? Il va falloir que tu anticipes. Ta cuisine a besoin d'aide. Je sais. J'ai fait venir un chef qui est aussi expert conseil en restauration. C'est moi qui vais le payer le premier mois pour qu'il vous aide à assumer cette période de transition. Je vous présente Daniel Surfer. Viens, Daniel. Bonjour, chef. Ça va? Bien, merci. Je te présente Cici, la patronne. Enchanté. C'est moi qui l'ai choisi pour ses années d'expérience dans les meilleurs restaurants de Floride. Il va être à vos côtés pendant un mois. Bichonnez-le et écoutez-le. Je ne crierai pas. Bien. Vous avez là une chance phénoménale de renaître. Et aujourd'hui, c'est votre premier jour. Vous êtes prêts?
Bien. Je pouvais même pas croire qu'il nous avait déniché un chef consultant. J'ai retrouvé l'espoir. Je sais que ça va faire toute la différence. Vous aimez la carte, le cadre? Oui. Qu'est-ce qui manque? Les clients. Les clients. Pour ça, il va falloir faire preuve d'initiative et propager la nouvelle. J'ai mis en place avec mon équipe un super plan marketing. Je vous annonce que 5 stations radio de Floride vont envoyer aujourd'hui leur voiture de reportage sur votre parking. En quel honneur? Le grand concours de la meilleure pizza du Anna Vincenzo's. Génial! Mais c'est pas tout. 3 équipes vont s'affronter. Équipe 1, les footballeurs des Miami Dolphins. Équipe 2, les basketteurs du Miami Heat. Mon Dieu! Équipe 3, les hockeyeurs des Florida Panthers. C'est dingue! L'objectif numéro 1 de ce concours, c'est que ce soir, tout le sud de la Floride entende parler du Anna Vincenzo's. D'accord? Ça vous plaît? Oui? Oh non, elle refait la tête. Tu veux encore me traiter de minable? Non? Tu m'as pas encore insulté aujourd'hui? C'est relâche? Youpi! C'est un grand jour pour toute la famille du Anna Vincenzo's, pas seulement pour moi. Après un changement de look radical, quelle différence, et une métamorphose de la carte, on fait un repas familial. Gordon a organisé un grand événement marketing pour diffuser la nouvelle de la réouverture en invitant les stars du sport de la Floride. Les Miami Dolphins, les Miami Heat, les Florida Panthers. Ils vont s'affronter dans le premier concours annuel de pizza du Anna Vincenzo's. Il y a un monde fou. Des équipes de télévision, des journalistes, des stations de radio. Je ne sais même plus où donner de la tête. Chaque équipe disposera des meilleurs ingrédients qui sont face à vous pour faire sa propre pizza. Vous avez 3 minutes pour la concocter. Prenez place. À vos marques. Prêt? Partez. Vas-y, roule-la bien. Telle que les fesses de bébé. Doucement, laisse-la couler dans tes mains. Qu'elle reste bien ronde. J'essaie de la faire ronde, mais comment on fait? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Regardez mon chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous a inspiré au-delà de la technicité? On a voulu qu'elle soit victorieuse, à l'image de la fierté des Panthers. Moi, je mange pas de viande, mais j'en ai mis quand même. Je savais pas quoi faire d'autre, alors... Quel est l'ingrédient qui convaincra le jury, d'après toi? Tout notre amour. Bien, excellent. Ils ont fait du super boulot. Même si ça a l'air simple, c'est pas facile de faire une pizza. Voyons voir qui l'emporte. D'abord, les Panthers. Au fromage. Les Miami Heat. Celle-ci est top. Ça va être dur. Les Miami Dolphins. Magnifique. Magnifique. Les vainqueurs du tout premier concours de la meilleure pizza d'Anna Vincenzo's seront-ils les Panthers, les Heat ou les Dolphins? Les Miami Dolphins. Chaud devant, pizza au pepperoni. Chef Ramsay's marketing. Le génie de Gordon Ramsay a permis de faire passer le mot de notre réouverture. Tout Boca Raton est au courant. C'est comme un rêve, une expérience incroyable à laquelle je ne me serais jamais attendue. C'est une renaissance. Ça va être génial. Après cet événement marketing de grande ampleur, le chef expert Dan Surfer supervise la préparation des nouveaux plats. Mets au four. Des plats que Gordon présente ensuite au personnel. On a réduit la carte de moitié, monté le niveau de fraîcheur et la qualité. Vos premières impressions, ça a l'air comment? Plus petit. En effet,
On commence par le bout. Des petites boules de mozzarella frites avec une sauce marinara, crevettes et scampi, calamar frit mais pas amalgamé, des moules au vin blanc et sauce tomate, palourdes au four fraîche et non congelées. Superbe. Côte de porc panée au parmesan, puis les pizzas, qui sont un peu votre marque de fabrique. Spaghetti aux boulettes de viande fraîche, mais si vous n'en êtes pas fier, ne les servez pas, point barre. C'est toi qui décides. Et goûtez vos plats. On s'y colle. Les aubergines sont bonnes. C'est ce que je préfère aussi. Cette carte est très enthousiasmante. Pour les familles, ce sera parfait. À la bonne franquette. Mettez le menu familial en avant, d'accord? Allez, on passe en cuisine. Bienvenue, comment allez-vous? Bien, pour deux? Le menu familial? Oui, merci. Parfait. Vous allez adorer. Je me sens très nerveuse. L'enjeu est de taille et il faut que tout roule pour cette réouverture. On respecte bien le niveau de qualité qu'on s'est fixé. La qualité prime sur la quantité. Je veux voir un vrai repas familial à la hauteur. Donnez tout ce que vous avez. D'accord. S'il vous plaît. Je me sens très anxieuse. Je ne veux vraiment pas rater l'occasion en or de ce soir. Annonce la différence entre ce que tu attends et les nouvelles commandes. J'attends deux veaux panés et une lasagne. Tu me l'as demandé, tu n'y reviens plus. Si, si, serre rapidement les premières tables. Ok. Gordon a revu toute la carte. Désormais, tous les plats sont de qualité et frais. Plus de salade. Le concept d'un menu familial plus restreint en choix permet d'alléger le travail en cuisine. Allez, on tient le rythme. Si, si, on voit plus rapidement les premiers plats. Service. Attention, c'est très chaud. C'est bon. Très bon. Quel plaisir de voir les gens se régaler avec le menu familial. L'atmosphère est magique. Je suis heureuse que ça vous plaise. Les lasagnes pour la famille de la 10. Ce sont les dernières qu'il reste. D'accord. On a commencé il y a une demi-heure et presque tous les plats familiaux sont partis. La cuisine tourne maintenant beaucoup mieux, mais la soirée ne fait que commencer. Ces lasagnes sont pas un peu trop cuites? Non. Peu importe. Dès qu'il y a un truc de prêt, vous l'envoyez direct. Tu contrôles pas? Je m'en fous. Envoie et basta. D'ici, tes côtes ont l'air cramées. Tu te fous de moi? C'est brûlé. Les côtes? Ouais. On les fait comme ça, envoie. C'est carbonisé. On n'a pas le temps de se tromper. Service. C'est foiré, les gars. C'est de la pure ignorance de votre part ou bien vous êtes complètement con? Même pas foutu de prévenir les tables qu'ils attendent 10 minutes qu'on la leur recuise. Vous préférez leur servir de la merde. Aucun de vous m'a encore vu péter les plombs. J'en ai rien à foutre. Eh merde. Le soir du nouveau lancement, Sissi, qui faisait de gros progrès, semble glisser à nouveau vers ses vieilles manies. C'est foiré, les gars. Gordon ne tolère aucune négligence. Je sais que c'est dur, mais vous ne pouvez pas envoyer ce plat. Fais-en un autre. Merci. Ensuite, aubergine parmesane, veau marsala, spaghetti bolognaise et sans rien foirer. C'est ça que je veux entendre. On va y arriver. Surveillez cette côte de porc et me la cramez pas. Je me suis dit, à nouveau cadre, nouvelle règle. On y est presque. On commence à suivre les leçons de Gordon. Et c'est comme repartir à zéro. Allez, je vous sens en harmonie. Je veux la côte de porc avant qu'elle crame à nouveau. Génial. Bon boulot. Parfaite, la côte de porc. Sissi a beaucoup changé. Elle fait attention à ce qui se passe. Elle ne servira plus de merde à une table. Elle vérifie avant que c'est bon. C'est ça qu'on appelle un niveau de qualité. On fixe la barre à ce niveau. Oui, chef. Regardez si c'est pas joli. Juste comme je l'aime. Sissi, ils ont trouvé la côte de porc géniale. Et la table 30 a adoré le poisson. Cool. Sissi a accepté la méthode de Gordon. Elle a veillé au niveau de qualité en cuisine et les clients satisfaits ne tarissent pas d'éloges. Ça va? Oui. C'est bon? Beau travail. Merci. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir le restaurant à nouveau plein? C'est magnifique. Merci. Parce qu'une salle vide, ça fait mal.
Alors que pleine, avec les gens qui s'éclatent et sont ravis, quel bonheur. J'ai retrouvé toute ma passion. Revenez quand vous voulez. Et bonne soirée, merci. Merci de votre visite. Okay. What a difference. Quelle différence depuis le soir de mon arrivée. Voilà enfin le restaurant que la ville de Boca Raton mérite et exige. Ce soir, vous vous êtes très bien débrouillé. Et même quand les problèmes ont commencé, vous avez refusé d'envoyer des plats médiocres, et c'est là un point essentiel. Je suis très content que tu n'aies pas fait servir cette côte de porc brûlé. Cette ville ne pourra plus se contenter de plats médiocres. Désormais, vous êtes devenu bon. Bien joué. Merci. Il y a 3 jours, j'aurais dit bon débarras. Maintenant, je suis triste qu'il reparte. Il a fait beaucoup pour nous, et je n'oublierai jamais. Tu as ton restaurant, tu as une carte qui tient la route, tu as ta famille avec toi, tu as tout ce qu'il faut pour que ça marche. Alors fonce. D'accord? Accroche-toi, je sais que tu peux y arriver. Merci. D'accord? Je peux t'embrasser? Bien sûr. Bien joué. Très beau boulot. Et très sincèrement, bonne chance. Ok? Merci. Bonne chance. Tu vas y arriver. Content de t'avoir connu, Michael. Et n'aie pas peur de tomber la veste de temps en temps. C'est noté. Détends-toi un peu. Prends bien soin de ta fille. Et crois-moi, les caisses seront floues. Je sens l'odeur des sous qu'on engrange. Beaucoup d'argent. Viens là. Il a secouru ma fille. C'était le plus grand vœu de ma vie. Merci infiniment. Prends bien soin d'elle. Parfait. Au revoir, chef. Bon courage. Merci. Merci. Quelle semaine! La Floride a beau être baignée de soleil. Quand je suis arrivé dans cet établissement, c'était tout sauf rayonnant. En quelques jours, Sissi a fait des progrès hallucinants. J'en suis même très surpris. J'espère que le soleil va continuer de briller sur le Anna Vincenzo's. Si seulement. Prévision météo pour demain, 100% de chance que ça chiale. Tu vois, on s'est réconciliés. Je retire ce que j'ai dit. C'était pas un pauvre type. Après le départ de Gordon, Sissi a continué à suivre ses conseils. Bienvenue au Anna Vincenzo's. Elle a gardé sa carte simplifiée et se fournit en ingrédients frais. C'est nouveau, frais et savoureux. Et pour la première fois depuis longtemps, Sissi a confiance en l'avenir. Que de larmes dans cet épisode, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression d'assister un peu à un concours Miss France. C'est vous aussi, vous devez avoir une petite larmichette à l'œil hein, devant votre écran, puisqu'en effet, Cauchemar en cuisine, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite sur W9, je vous le promets, à très vite.